Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un véritable urbex cette fois. Noah, c'est l'heure de l'urbex. Donc c'est parti, on va explorer les catacombes de Paris à Langoran, que je n'habite pas à Paris. On n'a absolument pas vu à la caméra. Viens là, mon cher acolyte. On va explorer les catacombes, il y a des monstres de fous là-dedans. Hey, il y a des monstres de fous dans les catacombes, ça met. Ça met. Là-dedans, on trouve ces créatures mamène. T'as jamais vu des créatures aussi terrifiantes à l'intérieur. Je vous le dis tout de suite, ça va être hyper chaud. Alors... Oh mon dieu, attendez une seconde. Vous entendez l'acoustique absolument magnifique de cet endroit. Ta gueule ! Tu es grosse, Mélissandre. J'entends des monstres. Regardez un Illuminati. Illuminati ? Oh mon dieu, mais c'est vrai ? Une petite bite. Noni ! Get out of here ! It's gonna get you ! Et là, j'ai filmé un monstre. Regardez ! It's a human centipede ! Get out ! What the fuck is this ? Pas merci hein. Oui. What is this? Fuck. Il y avait une casquette à l'intérieur, c'était sans doute un artefact. C'était l'urbex. Parfois caliente. Transition trop cool. On fait de l'exercice, n'est-ce pas Thibaut InShape? Damn les gens, c'est Thibaut InShape. Je remonte mes magnifiques pants, motherfucker. C'est mes magnifiques joggings. On va faire de la gym. C'est Ninja Warrior. Alors, salut à tous. Aujourd'hui, on se trouve pour un petit instant tuto. Suivez-moi. Vous prenez une fleur comme ça, magnifique. C'est fort sympathique ça. Après, vous pliez comme ça. Faites une boucle. Oui. Et puis après, tu... on va mettre son énorme pénis dedans. Là, je prends le bout et tu... Et là, ça fait un pistolet. Voilà. OMG. Voilà, c'était l'instant tuto. C'est fort ça. Allez, tout ça. Faisons du sport tous ensemble. Je vais me faire copyright. Les droits d'auteur. Je vais me faire copyright. Enlève cette musique tout de suite. Bon, on va faire tout l'exercice. C'est parti, ma mène. Regardez. On va repartir. J'ai les batteries pleines. Un peu comme mes coups. Oh ouais, je sais, j'ai un incroyable humour. Fuck you, you're a little neighbor. J'ai touché le Mississippi là derrière son dos. J'ai vraiment touché. Ouais, ça se voit. J'ai vraiment touché un lac. Ouh, c'est très bien, ma mène, ça. On va faire un concours d'anecdotes avec ce bel homme. Yeah. On a contre-jour, c'est super. Donc, on va faire un concours d'anecdotes. Ouais. Cette anecdote est-elle vraie ou fausse? Eh ben non, c'est vrai, on va vraiment faire un concours d'anecdotes, le plagiat de l'extrême. Allez, jingle si on a un. Bon, tu commences. Alors, quand j'étais petit, à la maternelle, il y avait des toilettes. Oui. Et il y avait des gens, ils étaient assis sur les robinets. Et moi, je me lavais les mains, et un monsieur, il arrivait, il a fait « Qu'est-ce que vous faites? Moi, je vais vous défoncer !» J'ai fait « Moi, j'ai rien fait !» Et là, vous allez être punis. Allez à la sieste !» Moi, j'ai fait « Ok, mais il y avait un pote, il faisait que pleurer, du coup, j'ai pas réussi à dormir. Si tu m'entends, je dirai pas ton nom, mais si tu m'entends, hein, à cause de toi, j'ai pas pu dormir !» Il est énervé. Eh, le style, est-ce que cette anecdote, elle est vraie ou fausse? Eh bien, moi, je dirais qu'elle est fausse. Mais non, elle est vraie. Je ne le savais pas du tout, tu as gagné un point. Non, tu le savais. Je ne le savais absolument pas. Quand même, tu ne m'as jamais raconté cette anecdote. Oh là là, tu ne me l'as jamais raconté. Ah, notez dans les commentaires, notez l'acteur de jeu sur 20. Bon, alors à moi de raconter une anecdote, en fait, j'étais... c'est chiant parce que j'ai aucune anecdote à raconter. Ah bah bravo Nils, super hein. J'étais en Colombie, j'ai rencontré les colombes. Et puis il y a une colombe qui se fait bouffer par un sanglier devant mes yeux. Noalou, est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? Moi je dirais que c'est faux parce que les sangliers ça mange pas. Moi j'ai vu. Je suis jamais allé en Colombie en fait. Allez, à mon tour de raconter une anecdote. En fait, je suis allé en Afrique du Sud. Et je me suis fait courser par un éléphant en fait, en plein safari. Oh, et après oui. On l'a chassé à Manu. À Manu, avec des lances. Non, c'était pas vrai hein. On a croisé des pingouins. C'était un truc qui s'appelait l'île aux pingouins. Il y avait une animation de pingouins pour les enfants et tout d'un coup il y avait deux pingouins, ils se sont mis à se baiser. Ah quand même. Le style. Est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? Moi je dirais qu'elle est vraie. Non, elle est fausse. Par contre, j'ai vraiment vu des pingouins, c'était impressionnant. Il y en a un, il s'est mis à l'eau. On aurait dit qu'il surfait. Oui, mais Noah, c'est des pingouins, c'est pas des chevaux. On va se mettre sur la statue pour avoir une belle vue. Je vais faire des beaux plans. Quel saut la bébête. Attends, on peut voir la piscine où je viens de baigner. Je vais faire un plan au drone. Ouah. Normalement c'est une propriété privée hein. Merde. Non mais en fait je connais, t'inquiète. Et moi les gens, regardez, je fais du parcours.
impressionnant, hein. Ah, c'était absolument incroyable. Ah oui, au fait, moi j'ai une anecdote. Ça y est. Enfin, l'anecdote J'ai enfin une anecdote. Alors en fait, ah oui, merde, mais ça va spoiler la prochaine vidéo. Ah, c'est con, ça va spoiler. Bon, ouais. Pour une prochaine vidéo, on devait tourner un clip avec mon cher acolyte, mon chien de compagnie. J'ai pas de chien, c'est juste le gars qui était dans la barrière de le vlog. Oui, en fait, on était sur la route et c'était à peu près le soir, tu vois. Et puis on avait posé la caméra, tu vois, on avait posé le trépied plus la caméra et tout. Et puis il y a des voitures qui passent. Et il était sur une route. En fait, il y a une voiture qui passe et elle klaxonne. Moi et mon pote, on se dit, mais attends, pourquoi elle a klaxonné? On sait pas, un truc de fou. Je pense qu'elle a cru qu'on était des merde, comment on appelle ça? Je pense qu'il nous a klaxonné en nous disant mais allez bien ou faire en. Alors à ton avis, est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? Bah logiquement oui, parce que t'avais dit que ça allait spoiler la prochaine vidéo. Est-ce que ça veut dire que c'est vrai? T'es vraiment bête. Les gens, si vous voulez être comment intelligent pour résoudre des énigmes, lisez Détective Conan, ce que j'ai fait. Faites des cahiers de vacances, achète. Et d'ailleurs, une carte Google Play est cachée dans cette vidéo. Regarde bien la vidéo jusqu'à la fin du coup. Mais je vais vraiment la cacher cette carte Google Play, t'inquiète pas. Bon. Bah c'est fini. Bisous tout le monde. Non, mon outro c'est. Chaud bisous tout le monde. Libre de droit, générique libre de droit, libre de droit, cette chanson est à moi, YouTube n'enlève pas, c'est libre de droit.